Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la dernière vidéo de tricote avec moi, le Jumper 49. Donc c'est un patron au départ gratuit, issu d'un magazine de 1949. Je vous mettrai le lien en dessous. L'idée c'est de le traduire et de vous le proposer ici. Mais alors moi je l'adapte beaucoup parce que il se tricote en fait en morceaux. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà fait en rond tout le corps. Ensuite, on a fait le devant et le dos. Mais en fait, j'ai voulu faire quelque chose comme en me basant un peu sur le projet de Squinenitz qu'il a réalisé en fait et qui a creusé l'encolure un petit peu. Elle a bidouillé en fait et elle n'a pas mis les explications. Et moi, je me suis dit que ça serait sympa d'essayer d'avoir un truc un peu pareil. Donc, en reprenant l'idée des rayures et l'idée du côté un peu pin-up avec le t-shirt avec l'encolure assez haute et des petites manches comme ça. Donc là, on en est là. Il y a trois vidéos qui sont sorties déjà pour les côtes. Peut-être quatre, je sais plus. Les côtes, le corps, le devant et le dos. Donc là maintenant on va le finir. On doit faire l'encolure et ensuite les deux manches. Alors il y a une personne qui m'a fait un commentaire sur la vidéo précédente en me disant que je n'avais pas traduit le dos sur la vidéo du dos. Oui, alors effectivement tu as raison, je ne l'ai pas traduit, mais parce que si tu veux je me suis vraiment éloignée du patron initial, mais je vais le reprendre pour le faire ici et on va revoir en fait ce qui est écrit sur le dos et je vais le traduire. Ok, donc on va d'abord faire ça. Ensuite, on va regarder comment sont faites les manches, je vais traduire l'encolure, tout ça. Et ensuite, on va partir sur mes adaptations à moi. Donc, si on reprend le patron du dos, de toute façon, je l'avais traduit en partie au moment où on avait regardé le devant. Donc là, elle explique qu'il faut monter cast-on, donc c'est monter sans maille, travailler en côte, donc ça on l'a déjà vu, c'était pour les côtes, donc on arrive jusqu'à nos 116 mailles. Ensuite, quand le corps mesure 12,5 inches, à partir en fait de... On va construire, c'est ce qu'ils expliquent, on va construire l'emmanchure, ici. Voilà. Donc ce qu'ils font, c'est ils rabattent 4 mailles, casting off, c'est rabattre, au début des deux prochains rangs, at the beginning of the next two rows. Gather together each end of the next four rows, donc ça veut dire qu'ensuite ils rabattent des mailles et ensuite ils font des diminutions comme on l'a fait en faisant eux des deux mailles ensemble, que ce soit à droite ou à gauche, ce qu'on n'a pas du tout fait. Donc on continue les diminutions pour creuser en fait l'emmanchure. Ensuite, quand les emmanchures, when armholes measures 6.5 in working garter stitch, alors eux c'est quand l'emmanchure mesure, c'est ce qu'on avait calculé, ça faisait 18 cm je crois, mesure 18 cm, on travaille, eux ils ont fait une bande, une partie en haut qui est en garter stitch. Garter stitch c'est le point mousse. Donc en fait on tricote chaque rang. Pendant un demi, donc ça veut dire 2,5 divisé par 2, 1,25 cm. Then continue in garter stitch, donc encore en point mousse, and shape shoulders, donc ça c'est en fait ils construisent les emmanchures, les épaules comme on l'a fait, donc en fait on donne une petite courbe aux épaules, comme on a fait ici, en rabattant 10 mailles au début des 6 prochains ronds. Cast off, ça veut dire couper votre fil. Alors, pour le devant, c'est la même chose. On travaille de la même façon jusqu'à ce que l'emmanchure mesure 4 3/4 inch. Au prochain rang, on tricote 40 mailles et on les laisse sur une aiguille à part. Et on rabat 12 mailles et on tricote les 40 mailles suivantes. On travaille ensuite que sur ces mailles de devant, de gauche. Et on fait des cadeaux together at neck edge. Donc c'est au niveau de l'encolure. Neck edge, c'est l'encolure. On va faire deux mailles ensemble sur les 6 prochains rangs, chaque début de rang. Et ensuite, tous les deux rangs. Jusqu'à ce qu'on ait réduit de 30 mailles.
Quand l'emmanchure mesure 6,5 inches, on travaille pareil en point mousse pendant 1,25 cm. Et ensuite, on fait le shape shoulder, donc c'est les diminutions d'épaule, en rabattant 10 mailles. At armhole edge, every second row, 3 times. Et au niveau de... Donc ça, en fait, on rabat les mailles au niveau... Parce que j'ai mis une majuscule, mais en fait, c'est une erreur. Au niveau, en fait, de l'épaule. Au niveau de l'emmanchure. Tous les deux rangs, 3 fois. Join wool at neck edge and work other side to correspond. Donc en fait, on fait de la même chose de l'autre côté du devant. Donc ensuite, short sleeves. Donc sleeves, ce sont les manches, donc les manches courtes. En utilisant des aiguilles 12, donc 12, c'est 2,5 pour elle, on va monter 80 mailles. Donc elle se tricote en fait des côtes jusqu'en haut de l'épaule, à plat. On travaille en côte 1-1 pendant 1 inch, donc 2,5 cm. Et on travaille en faisant un rang, on travaille en faisant les côtes, les mailles en droit, en piquant le brin arrière, donc ce sont des côtes torse. Ensuite, quand on arrive en jersey, on reprend des aiguilles plus larges. Et on travaille en jersey en augmentant une maille à chaque fin de quatrième rang, jusqu'à ce qu'on ait augmenté de 4, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à 90 mailles au lieu de 80. Donc ça veut dire 5 augmentations. Quand la manche mesure 5 inches, on tricote 2 mailles ensemble à chaque fin de second rang. Donc jusqu'à ce qu'on ait diminué et qu'on ait atteint 60 mailles. Et ensuite, tous les rangs jusqu'à ce qu'on ait atteint 30 mailles. Et là, on rabat, on arrête. Donc, on fait pareil sur la seconde manche. Et ensuite, le neckband. Donc ça, c'est l'encolure. John Wright Shoulder Seam. Donc, eux d'abord, ils font en fait un... Ils rassemblent les épaules ensemble. Et ils les cousent. Voilà. With right side of works towards you, donc ça veut dire avec le devant du tricot face à nous, on utilise les mailles, les aiguilles les plus petites, pardon, et on relève 108 mailles. Et on les tricote, on relève et on les tricote 108 mailles autour du cou. Ensuite, on le tricote en côte 1-1 pendant 2,5 cm. Et on les rabat en suivant le dessin des côtes. Voilà. Après, ils utilisent des shoulder pads. Donc, en fait, ils vont les... Ils utilisent, en fait, là, sur le patron initial, donc en utilisant les aiguilles 12, donc 12, c'est toujours 2,5. On monte 44 mailles. On travaille en jersey pendant 6 inches. Et on rabat. Fold diagonally. Lightly pad with cotton wool and sew up edges. Fold diagonally, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Plier en diagonale. Lightly pad with cotton wool and sew up edges. Je sais pas trop ce que ça veut dire ça. Lightly pad, faut que je regarde. Les épaulettes. Donc en fait c'est ça. Shoulder pad, ce sont des épaulettes. Donc on les plie en diagonale. Et ensuite avec un fil de coton, on coud les rebords. Voilà. Ensuite, on coud ici la to make up. En fait, ce sont les finitions. Eux, ils expliquent qu'ils le font en fait avec une pâte mouille, ça. Le damp cloth, c'est une pâte mouille et un fer à repasser chaud. On presse dessus. Donc, ils font pas de blocage. Il faut coudre les côtés. Et on coud ensuite les manches et les pads sur les épaules. Work 3 rows of DC along back of shoulder opening and 1 row along front. Sew and press studs. En fait, d'après ce que je comprends, c'est pas forcément clair pour moi, mais d'après ce que je comprends, il y a une épaule qui n'est pas fermée.
Et donc, en fait, ils disent, on travaille trois rangs en DC. En fait, on prend le crochet et on va faire trois rangs en bride le long de la couture de l'épaule qui est ouverte. Et seulement un rang de bride le long du devant. Ensuite, sur les trois rangs qu'on a fait, on va mettre des boutons pression. Voilà, tout simplement. Et en fait, ça permet de fermer comme ça. Ce qu'on va pas faire du tout. Donc, ouais, j'ai pris un peu de temps à comprendre ce qu'ils voulaient dire. Parce qu'ils mettent des pads, déjà, ils mettent des épaulettes. Et en plus, ils font une couture. Donc, je trouve que ça fait beaucoup. Mais voilà. Donc, bon. Alors, nous. On a plusieurs choses à faire. Alors, on va d'abord faire l'encolure. On va relever les mailles. Il faut que je regarde en fait combien de mailles je relève et comment je les relève. Et je vais vous dire, parce que c'est pas un calcul que je fais ça. Ça va être vraiment au feeling. Je vais juste essayer de faire ça de façon logique. Voilà. Donc, je pense qu'on va relever les mailles comme elles sont ici. Peut-être on va les relever genre 2 sur 3. Ici, on va les relever, je vous dirai, on va regarder, hein. On va le faire. Et je vous dirai au final combien j'ai relevé de mailles et comment je les ai agencées pour qu'on en ait ici autant que là et moitié dos autant que l'autre moitié dos. Ok, c'est parti. Donc, moi, je prends mon fil initial, ma couleur principale, parce que je veux avoir quelque chose de contrasté. Et donc, je vais commencer au milieu dos. Pour le repérer, hop, je plie mon tricot en deux. Voilà, je vais le mettre dans l'autre sens, histoire de ne pas me piquer les doigts. Et je vais faire de même sur le devant. Donc là, j'en relève 2 sur 3. J'ai relevé 27 mailles sur le demi-dos. Donc on répète ça, donc 32 plus 27, ça fait donc 59 fois 2, 118 mailles, on remonte 118 mailles. Donc à nouveau 32 mailles jusqu'à l'épaule et donc il me reste 27 mailles à relever le long de l'autre demi-dos. C'est parti. Voilà. On a remonté les mailles, on est sur le dos, on va tricoter en côte torse les mailles en droit, une maille en droit en torse, une maille en vert, et on va faire ça pendant, on va voir, 2 ou 3 cm, je vais voir ce que ça donne en fait, c'est quand ça me plaît. Donc là je vais faire mon petit nœud, et je vais aussi... faire ce que je vous ai dit, le Steven Weaven, pour cacher tout de suite ce fil qui est coupé. On va mettre un anneau marqueur pour le début du rang et c'est parti pour les côtes.
j'ai 2 cm, ça me semble bien. Donc on va commencer à rabattre. On va faire un, enfin moi je vais faire un Ginny Surprisingly Stretchy Bind Off, parce que sur les encolures et sur les manches, je trouve ça vachement bien, même ailleurs d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que pour éviter que ce soit trop détendu, je vais enrouler 2 fois autour de ma main le fil. Et c'est parti. Donc le principe, hein, je vous le dis, c'est de faire un jeté, puis de tricoter votre maille en droit, de rabattre le jeté sur votre maille et la maille précédente également. Là j'ai une maille en vert, je fais un jeté, une maille en vert, je rabats le jeté et la maille précédente. Et voilà, donc on continue jusqu'au bout du bout. Alors pour la dernière, je remontais, vous avez vu, j'ai remonté une maille, la première maille que j'ai rabattue. Et donc c'est une maille en droit. Là, je n'ai plus qu'à rentrer le fil. Alors, qu'est-ce que ça donne? Mais je vais l'essayer. Voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente, hein, du résultat. C'est exactement ce que je voulais. Donc, top. Bon, on va continuer sur les manches. Hein. Faut le terminer maintenant. Ok. Voilà. Donc, on va pouvoir passer aux manches. Hop. Je suis désolée, c'est pas très joli ce que je porte aujourd'hui. On est dimanche. Et bah, je me suis habillée avec ce que j'ai trouvé. C'est mon anniversaire, je sais. Mais je suis crevée aujourd'hui. Alors, du coup, c'est pas grave. Je ne fais pas d'exercice de style vestimentaire aujourd'hui. Donc, pour les manches, j'ai noté quelques petites choses dont je vais vous faire part. Donc, ce que je voudrais, c'est avoir des manches avec des rangs raccourcis un petit peu, et ensuite, à ce niveau-là, reprendre les rayures et ensuite rabattre. Ok ? Donc, j'ai pris mon tour de bras qui fait 30 cm. Et j'ai noté que en jersey, il faudrait que j'ai 72 mailles à peu près pour être pile poil nickel sur mon bras. Je vais enlever quelques mailles. Attendez, je réfléchis en même temps. Est-ce que j'enlève des mailles? 72 mailles. Non, ça peut être pas mal. Moi, ouais, je vais faire ça. Donc ce qu'on va faire, j'ai décidé de relever une partie des mailles à partir d'ici, comme ça. Je vais relever les mailles ici jusque là, un certain nombre. Je vais, ben là c'est bien placé pour que vous compreniez. Je vais faire des rangs raccourcis pour arriver là, comme ça.
Et ensuite, je vais continuer à relever une maille, tricoter un rang, relever une maille, tricoter un rang, nanana, jusqu'à avoir 68 mailles. Oui, et je relèverai des mailles pour, je relèverai 3 mailles par ici pour mes 3 rangs, etc. Donc là, ce qui est sûr, c'est que pour le nombre de mailles, je vais être obligée de relever ici 3, 6, 9, 12, 15, 17, 18. 18 mailles ici. Effectivement, c'est ça. Je vais en relever moins parce que ensuite je vais aussi en relever ici 2 et 2 puisqu'on a rabattu 2 et 2, souvenez-vous. Donc je vais enlever à ce nombre de mailles 72, 68. Donc je vous ai dit, ensuite ça me fait 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. 17, 17, 17, 17 moins, 17 fois 2, c'est ça, hein? 17 fois 2, 34. Donc là, je vais être obligée de faire 34. Ce qui veut dire que, bah, 34, il me reste 34 mailles à relever en tout. Donc 17 mailles ici et 17 mailles là. Ce qui fait pas beaucoup. Ça fait vraiment pas beaucoup. Je vais en relever plus. Comment je vais faire ? Il faut que je réfléchisse. J'ai décidé. Donc là, j'ai calculé, parce que c'est pas évident hein, de faire ça. Là, de là à là, j'ai 43 rangs jusqu'à la première rayure. 43 rangs. Si je relève une maille sur deux, on va dire qu'on part sur 42 rangs, ben ça me fait 21 mailles. 21 mailles plus 16 rangs ici, où je suis obligée de relever toutes, chaque fois une maille. Donc ça fait 21. Donc je vais faire 21 mailles plus 16, ça fait donc 37. 37 et 37, ça fait 74. Donc j'aurai 74 mailles. 74 mailles, ça me semble pas mal. Si c'est trop large, parce que 74 mailles, je vais avoir une petite aisance, quoi. Mais en même temps, après, je vais tricoter en côte torse, donc ce qui va resserrer. On va peut-être faire ça. Je trouve que 74 mailles, en fait, c'est pas mal. Dans le sens où j'ai prévu 72, quoi. Donc, on est quand même pas mal. Voilà. Alors ensuite, j'ai plié ma manche en deux, comme ça. Et du coup, je me suis dit que là, j'avais 43 rangs. On va dire, on relève 21 mailles sur cette partie-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relever 12 mailles de chaque côté. Je vais faire ça, 12 mailles de chaque côté, et je vais faire des rangs raccourcis. C'est ça qu'on va faire. Allez, c'est parti. Avant de commencer, il faut que je pèse ce qui me reste là. Pour vous dire combien j'ai, parce que la quantité de laine restante me fait un petit peu peur. J'ai mon échantillon en plus. Donc s'il faut, j'irai le chercher, mais pour le moment, je vais peser. Et donc, j'ai 19 grammes. Il me reste 19 grammes. Donc, je vais utiliser... Je vais faire la moitié. Je vais faire mon peloton. Donc voilà, mes deux pelotons identiques. J'en prends un et l'autre attendra. Alors j'ai décidé de filmer ce que ça faisait en,
en le mettant sur mon épaule. Et parce que j'avais un gros doute sur le rendu. Et en fait, c'est pas mal. C'est pas super joli, le relevage de mailles, là. Du coup, je me demande si je vais pas relever des mailles. Je pense que je vais défaire. Je vais relever des mailles, relever toutes les mailles et faire deux mailles ensemble à chaque bordure. Ce que je vais faire, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Après, ça me semble pas mal parce qu'après, on va remonter des mailles là, touc, 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 avec les rayures. Les manches seront très courtes, mais ce sera pas mal. Ce sera bien, je pense. Donc sinon, on est bien en termes de longueur. Et il me reste ça, donc c'est faisable. Là, je suis vraiment, je dois commencer à relever les mailles de l'autre couleur. Donc, on est pas mal. J'ai 40 mailles, je crois, sur les aiguilles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt bien. J'hésite en fait à le terminer. Pour voir si j'ai assez de laine. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la terminer. Pour voir si j'ai assez de laine, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Non, je vais défaire. Allez, je défais. Je me suis rendu compte que j'ai monté les mailles sur l'envers. Donc on défait. Et on recommence. Et cette fois on se trompe pas. On remonte les mailles. Hop, en même temps les mailles sont déjà remontées donc ça va être cool. Touk, touk. En prenant le devant face à nous. Donc je le mette dans le patron. Pour pas faire la même erreur que moi. De toute façon, on a de la vidéo. J'ai oublié de filmer, en fait, après toutes les modifications. En fait, au départ, j'ai commencé à remonter des mailles, une maille sur deux. Et comme vous l'avez vu, ça me plaisait pas, donc j'ai défait. Alors, juste pour que vous compreniez comment j'ai fait, donc on est reparti sur la même logique, c'est-à-dire que j'ai plié ma manche en deux et j'ai décidé de relever les mailles à partir de là jusqu'à l'autre bout ici. Donc c'est la moitié de la manche, c'est à peu près la moitié de la manche, vous voyez, ça se voit en fait, hein. C'est à partir de là, voilà. Donc vous mettez une épingle ici, une épingle ici, et ici vous allez relever sur cette première moitié 16 mailles, et également 16 mailles de ce côté-là. Ensuite, vous allez tourner votre ouvrage, vous vous retrouvez sur l'envers, on va glisser la première maille à l'envers, on va tricoter 18 mailles, d'accord. Donc on aura 19 mailles parce qu'on en a une qui a été glissée. Et là, on va faire un rang raccourci à l'allemande. Donc en fait, sur la prochaine maille. Donc vous tricotez la maille, vous retournez et vous enroulez votre maille au-dessus pour créer deux jambes. Donc là, je vous mettrai un tuto s'il faut, si vous en avez besoin. Voilà. Donc ça, c'est le premier rang raccourci. On se retrouve à nouveau sur l'endroit. On tricote 6 mailles et on fait un autre rang raccourci. On se retrouve sur l'envers. Ou sur l'endroit, je sais plus. Ouais. Bref, vous suivez la logique. Et ensuite, on va faire. On tricote jusqu'au rang raccourci qu'on a créé précédemment. On le tricote les deux jambes ensemble, donc deux mailles ensemble en fait. Et ensuite, vous faites un rang raccourci sur la maille suivante. Et en fait, on va faire ça jusqu'à ce qu'il vous reste sur vos aiguilles deux mailles. C'est ça, lorsqu'il reste deux mailles après le rang raccourci, là vous faites un rang raccourci sur la maille suivante et ensuite vous vous retrouvez sur l'endroit et vous tricotez toutes les mailles jusqu'à la fin du rang, donc vous vous retrouvez ici, touk, touk, touk. Voilà, ensuite vous allez relever deux mailles. Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va relever à chaque fois deux mailles sur le bord pour pas qu'il y ait de trou, en fait, hein, pour pas qu'il y ait de trou sur ce côté-là, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était pas très très beau. On va relever deux mailles, et en les tricotant,
On tourne, donc on se met sur l'envers. On glisse la première maille à l'endroit. On glisse la première maille et on fait deux mailles ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on relève deux mailles, mais c'est comme si on n'avait relevé qu'une. On va glisser la première maille et tricoter deux mailles ensemble. Je ne sais pas si vous allez les voir là. Excusez-moi pour les sonneries, je reçois des messages en même temps. Donc, voilà, deux mailles ensemble. Et à partir du moment... Vous allez le voir après dans la suite de la vidéo. Quand on va se retrouver sur les rayures, là, on va relever seulement une maille. Donc, en fait, on ne fait plus les deux mailles ensemble. On relève une maille à chaque fois qu'on arrive au bord de la couleur. Vous voyez, pour suivre, en fait, le motif et que ça, les rayures et que ce soit joli, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, arrivé à 43 mailles, ça donne ça. Ça me semble mieux. Donc, je suis sur un rang. Comme ça. Ok, donc j'ai tricoté mes trois rangs, j'ai 64 mailles et je suis sur un rang en vert. Donc là, je suis en magic loop hein, depuis les rayures. Donc l'idée maintenant, c'est de remonter des mailles jusqu'ici,
et de faire le dernier rang à l'endroit en remontant des mailles jusqu'à la jointure. Donc j'ai 64 mailles, l'idée c'est d'arriver à 72, donc il faut que je monte 8 mailles, donc 4 mailles ici. En fait je pense que je vais faire comme ça, ça sera plus simple. Donc là j'y suis, je tourne et je vais tricoter la maille. Voilà. On a toutes nos mailles. Maintenant, on peut couper. Il me reste ça. Faudra que je pèse pour vous dire combien il me reste, mais c'est pas mal. Donc la manche est très courte. Hein. Elle prolonge bien. Donc maintenant, on va faire les côtes. Donc là on est en magic loop ou avec des aiguilles circulaires à 23 cm comme vous le souhaitez, pas de souci. Je vais juste faire un petit nœud. Avoir des fils à rentrer là sur la manche. Donc, comme pour l'encolure, alors on va déjà prendre un anneau marqueur, ce sera bien. En fait, on va faire la première, on va faire la même chose. Donc, une côte torse sur les mailles en droit. Je pique le brun et une maille en vert normale. Maille en droit en piquant dans le brin arrière, maille en vert. Hop, alors moi j'aime pas du tout avoir l'anneau qui pendouille là comme ça. Donc hop, je ferme ici et là je change de place mon magic loop. Et c'est parti pour 2 cm. En fait, ça va être la même longueur que ça, que l'encolure. Donc voilà, j'ai fait 6 rangs de côte torse. Donc maintenant on va pouvoir rabattre.
Pareil avec le Genie Surprisingly Stretchy Bind Off qui est très lâche, mais comme les épaules, comme les manches sont très fitées, je vous le conseille fortement. Donc c'est le même procédé que sur l'encolure. Voilà, allez, on fait ça jusqu'au bout. C'est parti. Bon, bah, c'est validé pour la manche. Désolée pour ma tête du matin, pas réveillée. On est bien. Faut passer à la seconde. C'est pas trop mal, hein. Bon, après, je pense qu'un blocage sera nécessaire. Puis quand il y aura la seconde, ça va rétablir un peu la distance là. Mais je pense qu'on est bien. Ouais, c'est très bien. Super. Ah, j'ai un jean taille basse, donc c'est pas. Voilà. Les deux petites manches. Bon, un blocage sera bien. Alors, je vais le porter avec une salopette parce que il a tendance à remonter, ou alors un pantalon taille haute ou une jupe taille haute. Voilà, donc maintenant ça va être le blocage. Bon, et eh bien les amis,
Le jumper 49 est fini. Il est adopté chez moi. C'est la première fois que je le porte aujourd'hui et je l'ai porté toute la journée. C'est trop cool avec ma salopette Patsy. J'aime beaucoup. Je vous en parlerai en détail dans un vlog prochain. Voilà, le blocage lui a fait du bien. Il s'est un petit peu assoupli. Et du coup, il me sert moins que quand je l'essayais. Vous voyez, sur un moment, quand je l'essayais, je le trouvais un petit peu trop serré à la taille. Là, franchement, il est nickel. Donc, je suis très contente. Alors après, je voulais vous dire... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire ce qui me restait comme laine. Il me reste pas grand-chose. Donc, pour une taille M, ça passe. Si vous faites une taille supérieure, ça risque d'être compliqué avec un écheveau de chaque couleur. Surtout dans cette couleur-là. Voilà ce qui me reste. Il me reste ça, vous voyez. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Après, il me reste mon échantillon. Hein, donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous donner le grammage. En tout, j'ai utilisé 97 grammes de celle-ci. Donc, il me reste 3 grammes. Et 86 grammes de celle-ci. Il me reste 14 grammes. Ce qui fait 352... Non. 352 mètres? Non. Attendez. Pourquoi il ne me calcule pas? Des fois, il ne calcule pas, c'est très désagréable. En termes de mètres, je ne sais pas en fait combien ça fait. Mais ça faisait 350 grammes, je crois. Si je vous dis, la Hartfield, on va calculer, hein, c'est pas très compliqué. La Hartfield, elle fait 353 mètres. Et celle-ci, donc il doit me rester, enfin, j'ai utilisé moins de 353 mètres, donc il doit me rester 320 mètres, 330. Et celle-ci, c'est pareil, hein, celle-ci, elle fait 352 et 353 mètres, voilà. Donc c'est quand même de la fingering assez épaisse. Donc si vous utilisez de la fingering plus fine et que vous avez le même échantillon que moi, ça passe, hein. Y a pas de souci. Voilà, non mais je suis vraiment mais très très contente, je l'aime beaucoup. Là je le porte avec une salopette, mais je pense que même avec un jean ça sera sympa. Voilà, donc je l'imaginais vraiment avec la salopette et en fait je suis trop contente. Voilà, j'espère que cette expérience tricote avec moi vous aura plu. Sur les manches, vous avez vu, ça a été un petit peu compliqué, j'ai dû insérer parce que en fait j'ai filmé plein de fois la manche, mais je l'ai tellement défaite la première que après j'ai oublié de refilmer quand j'ai fait la seconde et donc j'étais obligée de vous expliquer sur les rangs raccourcis comment j'ai fait et comment j'ai relevé les mailles. N'oubliez pas que sur le blog il y aura toutes les indications pour le tricoter en taille M. Si vous le tricotez et que vous voyez qu'il y a des choses qui vont pas, il manque des informations, n'hésitez pas à me le dire. On peut se retrouver sur le groupe aussi Ravelry et le fil qui est dédié pour discuter de ce patron là. Non, je suis vraiment, vraiment très contente. Y a des personnes qui m'ont demandé de le grader, donc je vais le faire. Je vais le faire de façon gratuite, donc je le ferai tester, je pense, quand même. Bon, là, il y a des gens qui testent la taille M, donc ça sera bien déjà. Mais je vais le, voilà, je vais lancer le test une fois que j'aurai gradé. Je sais pas trop quand, en fait. Je trouve peu de temps en ce moment pour grader quoi que ce soit. Parce que j'ai beaucoup de boulot et que je suis vraiment crevée par le rythme des confinements sans déconfiner ici, puisque les garçons sont encore à la maison toute la journée. Moi, je travaille de la maison et en même temps, je m'occupe de la maison et j'accuse un peu le coup. En plus, bon, y a des choses qui se passent, hein, la vie continue, donc il y a des choses qui se passent dans mon environnement professionnel, plein de choses qui sont pas... qui sont pas simples en ce moment, donc j'ai un peu, j'avoue, je suis un peu le poids sur les épaules. En tout cas, de voir que ce que j'ai créé à partir de ce petit patron de 1949 du Sunday Herald, et ben, et que je le porte et que je l'aime et que j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît, bah ça me fait du bien. Donc faut pas hésiter à créer quand on est stressé, parce que même si parfois l'expérience n'est pas forcément évidente. Là, j'ai trouvé que, excepté les manches, ça s'est très bien passé. Puis même si les manches étaient compliquées, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de compliqué. Et juste le jour de mon anniversaire, le 31 mai, c'était le jour où j'ai commencé à galérer sur la première manche.
Ma belle-sœur est arrivée. J'ai dit, j'ai passé l'après-midi à essayer de faire quelque chose. Et au final, quand je lui ai montré, je lui ai dit, ça y est, je crois que j'ai réussi à faire quelque chose. Et c'était la version finale. Donc, comme quoi, faut s'accrocher. J'avais jamais fait ça, hein, de relever des mailles et puis de faire des rangs raccourcis directement comme ça. Voilà, donc ça se fait. Comme quoi, les expériences, faut avoir peur de rien puisqu'on peut, on peut faire pas mal de choses. On peut créer des choses et se débrouiller une fois qu'on a un peu d'expérience. Donc ça, c'est trop cool, je trouve. Voilà, j'espère que le Jumper 49 vous plaira. N'hésitez pas à taguer, si vous le faites, et à taguer avec le hashtag Jumper 49, tout accroché, 49, hein, Jumper, Jumper 49. Voilà, comme ça, moi, je verrai vos versions. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont commencé. J'espère que cette vidéo et l'article du blog vous seront assez clairs pour pouvoir le tricoter également. Voilà. N'hésitez pas à faire un retour. Et puis, bah, je vous dis peut-être à une prochaine fois pour un autre tricote avec moi. Alors, il y en aura un autre puisque je suis en train d'en tourner un pour la couverture que je crée là pour l'année 2020. Donc ça, je sais qu'il y en aura un autre, mais peut-être. Peut-être à tout hasard, j'en ferai d'autres. Sait-on jamais, si ça vous plaît. En tout cas, je vous laisse là avec mon petit top. Je vais me la péter avec. Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'il est très chouette. Je vous laisse là. Je vous dis bon tricot. Et puis à très très vite sur la chaîne pour une autre vidéo. Bye bye!